Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément, je vais ouvrir dans cette vidéo ce magnifique coffret Pachiraja V. Alors, c'est un coffret qui contient une carte promo Pachiraja V, une carte jumbo Pachiraja V, c'est les grandes cartes, 4 boosters, donc ça va être aléatoire les amis, donc on va découvrir ensemble le contenu de ce coffret. Et puis surtout, je ferai en deuxième lieu une vidéo de rentabilité de ce que j'ai obtenu dans ce coffret. Alors déjà, ça va permettre de vous faire une idée sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce type de coffret, quelles sont les éditions proposées, et puis aussi, hop, voilà, allez c'est parti. Alors, quelles sont les éditions proposées et aussi la rentabilité éventuellement de ce coffret. Donc je ferai une deuxième vidéo où je vous donnerai la valeur de ce que j'ai obtenu comparé au prix d'achat, tout simplement. Allez, on va aller doucement. Voilà, comme vous pouvez le voir, magnifique carte. Ah, puis aussi là, une carte code du JCC Online. Hop. La carte code, je vous la donnerai à la fin de la vidéo. Alors, je vais déjà l'enlever, je vais la mettre de côté, cette carte code. Et on va commencer par cette carte promo magnifique par Pachiraja V. Et vous avez aussi la carte Jumbo en version grand format. Voilà, c'est vraiment une carte magnifique. Allez, on va la mettre de côté. On a aussi des boosters, donc on a 4 boosters. Alors là, justement, c'est la surprise dans ce genre de coffret. On ne sait pas forcément les éditions que l'on va obtenir. Et justement, c'est pour vous permettre de vous faire une idée. Donc on a du Soleil et Lune Gardien Ascendant, Épée et Bouclier Clash des Rebelles. On en a deux de Clash des Rebelles. On a aussi Éclipse Cosmique Soleil et Lune. Ça, c'est du SL 12, il me semble. Clash des Rebelles, c'est EB02 ou EB03, je ne sais plus. Et Soleil et Lune, Gardien Ascendant, c'est du SL 8. Voilà, donc après, voilà, ce n'est pas forcément des boosters qui sont récents, mais bon, vous pouvez avoir des bonnes surprises avec des cartes qui peuvent être avec de la valeur à l'intérieur. Donc, on va aller ouvrir le premier booster ensemble. Voilà. C'est parti. Allez. Voilà, je vais vous donner la carte code. Donc c'est un booster Soleil et Lune Éclipse Cosmique. Pour ceux qui veulent jouer en ligne, voici le code du JCC Online. Pour ceux qui souhaitent le récupérer, le dernier code, je le donnerai à la fin de la vidéo. Alors, donc là, hop, ça va être intéressant de découvrir. On peut avoir des bonnes surprises à l'intérieur, hein, dans certains coffrets. Et puis après, c'est des coffrets qui sont... des boosters qui sont assez anciens. Non, je l'ai mis à l'envers. Allez, c'est parti, vous avez le logo, ici, ouais, c'est SL12, ça, Eclipse Cosmique, avec le premier Pokémon, qui s'appelle Cosmog. C'est les communes en premier, ensuite, Psychokvak, Cracnoix, Misterbe, Furégon, on arrive, première peu commune, Cosmovum, Misdibule, Terraclope. Allez, la carte énergie, une énergie plante. Et on a... Oh, un dresseur, ça c'est pas mal, en reverse. Donc c'est la carte brillante, c'est Jujube et Zuman. Escouade, c'est la numéro 186 sur 236. Ah ouais, c'est une édition qui avait plus de 184, donc si vous souhaitez acheter un ProBinder, il faut acheter un ProBinder pour les ranger qui aura au moins 360 emplacements. Voilà. Allez, et la rare, on a Volcaropod, une rare classique. Bon, seul cas, je dirais, un peu moins, plus intéressante, c'est celle-là. Donc, premier booster, Soleil et Lune, Éclipse Cosmique, pas grand-chose. C'est pas grave, je finirai par Épée et Bouclier. On va aller voir maintenant le deuxième booster, Soleil et Lune, Gardien Ascendant. Il me semble que c'est le 8 de mémoire. Voilà, j'en dirai plus, je pense, dans la vidéo d'analyse de cette ouverture de box, où je vous donnerai les cotations, les statistiques, tout ce qui va avec. C'est là qu'on vous donnerai plus précisément les informations. Allez, pour ceux qui souhaitent jouer en ligne, voici le code, la carte code du JCC Online. Voilà. Hop. Bon, je vais les regrouper, ça sert à rien. Et on va aller voir... Espérez avoir au moins une petite surprise dans ce coffret. C'est aléatoire. Des fois, on a des bons coffrets. Des fois, on est mauvais. Vous avez ici le logo. Gardien Ascendant. Je ne sais plus si c'est SL2, SL8. Je ne sais plus. Allez. Machoc. Mais en tout cas, c'est ancien. Hein. Ça, c'est une édition qui a plusieurs années. Sauf Kipou. Bébé Kai.
Alors c'est le problème pour les collectionneurs, si vous avez déjà des boosters de ces éditions-là, achetez ce coffret, vous allez avoir des cartes en double. Ça, c'est pas forcément un avantage pour les collectionneurs. Froussardine, Quai d'Oiseau, Hôtel du Soleil en dresseur, Gravalanche d'Alola, c'est une peu commune, assez, voilà, j'en suis dans les peu communes, on a déjà la deuxième peu commune. Et un autre dresseur, Barbara, en peu commune. Allez, on a une énergie. Et la reverse, ou une rare, Igolta, rare reverse, à 44 sur 145. Là, il n'y avait que 145 cartes, plus les cartes ultra rares. Il y avait un peu moins de cartes dans cette édition-là. Bon, bah une rare reverse, c'est plutôt pas mal. Et en rare, Sablero d'Alola. Bon, au moins j'ai une rare reverse. Ça sera peut-être pas un grand booster, un grand coffret. Faut voir aussi les cotations hein, de ces cartes promo parce que c'est tous vaut, de toute façon les coffrets. Même les cartes à code, même si je vous les donne, je les quantifierai aussi. Je vais vous donner les infos des prix de ces cartes aussi. Allez, il nous reste deux boosters dans ce magnifique coffret. Épée et bouclier, Clash des rebelles. Avec en premier la carte code du JCC Online. Voilà, elle était dans l'autre sens ce coup-ci. Alors, est-ce que c'est un bon booster ou pas? Ça va être la surprise. Avec le voilà le petit logo, épée et bouclier, Clash des rebelles. Ah, c'est, je ne sais plus quelle édition. Je me mélange, elles se ressemblent toutes ces éditions. Allez, c'est parti. En premier, je vais les décaler. On a Mélofée. C'est les communes Voltorb, Tarinor, Goélise, Brocélome, Mascadra, et c'était une première peu commune, deuxième peu commune, Dimoclès, Énergie Capture, à 171 sur 192, Énergie Feu, et Électrable, c'est une autre rare reverse. Alors, je ne sais pas si on voit bien la brillance, on ne s'en rend pas forcément compte. Voilà, donc deuxième rare reverse de ce coffret, à mon avis il n'y aura pas d'ultra rare, et on a en rare Salarsen. Ok, donc je pense que ce coffret, ça va être un coffret minime, mais bon, à voir, c'est des rares reverse, il y a deux rares reverse. C'est toujours intéressant, les reverse sont aussi recherchés par les collectionneurs, donc ça peut être intéressant d'en avoir. Allez, le dernier booster, les amis. Et après, je vous donnerai le dernier code aussi à la fin de cette vidéo. Ah, c'est marrant, les cartes codes étaient mises dans l'autre sens, dans ces deux boosters, épée et bouclier. Clash des rebelles. Allez, hop, le code, on le met de côté. C'est le dernier booster, les amis. Et puis, je vous donne rendez-vous après pour la vidéo bilan de cette ouverture. C'est toujours intéressant de savoir les prix, les cotations, ce que ça représente, la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Ça vous fera une idée. Après, c'est une idée exhaustive, suivant ce que moi j'ai découvert. Vous pouvez très bien ouvrir un super coffret avec des cartes ultra rares à tout va, qui aura une valeur explosée. Voilà, c'est le hasard. Allez, Larvibule. Goélise. Il me semble que je l'ai eu dans le booster d'avant. Natu. Barloche. Rond gourmand, allez, les peu communes, énergie frayeur, la 172. C'est pareil, là, il y a 192 cartes nommées, mais il y en a même plus de 200 avec les ultra rares. Il faut mieux avoir un ProBiner 360. Ah, Flamma Noir, peu commune, rouge, feu. Morpeko, la 73 sur 192. Et on a énergie feu. Ensuite, Ludicolo, c'est une autre rare reverse. Ah, mais effectivement, eh ben, les amis, j'aurais fait fort dans cette ouverture de coffret. Bon, pour l'instant, je pense pas avoir d'ultra rare. On va aller voir la dernière, surprise ou pas. Ta-ta-ta-ta, c'est une rare classique, Vaututrice. Donc, les amis, le petit bilan, je vais vous donner le code après sur la dernière carte. Code, c'est quand même 3 rares reverse dans un même coffret. C'est pas courant. Alors, j'ai pas eu de carte ultra rare, effectivement, le coffret était moins intéressant là-dessus. J'ai eu 3-4 rares reverse, donc c'est toujours ça d'intéressant, plus ce dresseur en reverse également. Donc, bon, maintenant, à voir dans la deuxième vidéo que je vous proposerai.
On va analyser tout ça, on va voir si ça vaut le coup, la rentabilité ou pas, vis-à-vis du prix d'achat. Voilà, les amis, maintenant je vous donne le dernier code online pour le JCS Online, pour ceux qui souhaitent le récupérer. Et puis, bah, les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.